Alors, l'une des premières leçons à retenir de ce scrutin à Lyon, c'est notamment l'érosion du MoDem. La capitale des Gaules n'est clairement plus un bastion du centrisme. François Bayrou arrive en quatrième position seulement avec 10,66% des voix. C'est quasiment moitié moins que son score obtenu en 2007. Les représentants locaux étaient donc forcément très déçus hier soir et ils attendent à présent le second tour. Même si effectivement on représente 10% des voix ou à peu près ce soir, il ne faut surtout pas se fermer. Si jamais un des deux de ces candidats rejoint les propositions de François Bayrou sur cette lucidité par rapport à la crise, je pense qu'effectivement il faudra l'écoute.